Merci bien pour tous ceux-là qui nous suivent à travers cette bande vidéo. C'est déjà la deuxième journée de la grande campagne d'évangélisation qui a débuté depuis hier donc. Et le Seigneur nous a fait grâce. Hier, nous étions grandement bénis par la parole qui est sortie de l'homme de Dieu, le pasteur Chora Kouetou. Et il y a eu des très grandes manifestations de l'Esprit. Nous osons croire qu'aujourd'hui également, le Seigneur va visiter ces quartiers, tous ces environs. Et nous prions également que tous ceux-là qui auront à nous suivre à travers la bande, que le Seigneur également daigne le visiter à travers ces images. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, papa Nabiso Charles Lessi. Yende a introduit orateur principal Nabiso Apokotaïlo. Amen. Alléluia. Je ne vous entends pas convenablement. Alléluia. Vraiment, je sens qu'il y a un flot du Saint-Esprit de ce côté, mais ici devant moi, je n'entends rien. Nangambo, nazali komona mosindo na molimo mosantu kasi ngambo yo ezali pamba. Alléluia. Amen. 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 Si je dis, eh Yahweh, vous répondez, eh Yahweh. Sokinga na lobi, eh Yahweh. Yope yanola, eh Yahweh. Ce qui n'a pas dit, eh Yahweh! Quand je vais crier, eh Yahweh! Si nous faisons ici, eh Yahweh! Et vous allez répondre, eh Yahweh! Ce qui n'a pas dit, Golo, on a dit Sunga! Quand je vais dire Golo, vous allez répondre, Sunga! On a dit, Golo, on a dit Sunga! Quand je vais dire, Mane, on a dit, tu répondras, Sunga! Ce qui n'a pas dit, bouger, on bouge! Quand je vais dire, bouger, comme si tu vas bouger! Jésus, Jésus,
Je suis obligé de prêcher, d'introduire le prophète Kwetu en français pour permettre à nos invités de nous suivre. Amen. Bougez. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a le mouvement. Et si comme lui mon Nzambe zali esengali pe koningane zala. Je connais un seul homme. Ngana yebi moto bobele moko. Une seule personne. Kaka ye moko wana. Qui a la clé de tout. Oya zana kongola ya nyoso. Et cet homme est pour toi ce soir. Pe moto ango aye pona yona pokwa oyo. Amen. Amen. Même si on t'a condamné, même atakoba kwesa na sena bilaka. Les médecins disent que pour toi c'est fini. Atakoba minganga balobi atokobika te. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Tokola nanu ya lobili loba suka te. La victoire est de ton côté. Elonge zana ngambo na yo. Amen. 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 Il est la résurrection et la vie. Yena zali liseko ape bomoi. Et je connais un jeune homme dans la Bible. Kenane yebi elenge mobali moko kati na Biblia. Il a été visité par Dieu à l'âge de 17 ans. Ye akutana ki na Nzambe na mula zomi na Nzambe. Il s'appelait Joseph. Ye kombo na ye zalaki Yosefu. Et lorsqu'il a parlé de sa vision, betango ya lobaki emoni selo azwaki. Ses frères. Bande kona ye mibali. On connaît l'interprétation de sa vision. Et c'est alors qu'a commencé les grands combats. Vous savez, lorsque vous traversez les épreuves, sachez une chose, que dans ces épreuves-là, il y a la semence de la bénédiction. Même quand il y a des gens qui t'humilient, dans cette humiliation, il y a l'élévation. Amen. Amen. On n'arrête jamais une vision de Dieu. On ne tue jamais une vision de Dieu. Si le Seigneur te dit aujourd'hui que tu vas te marier, tu vas te marier. Okobala balinga balinga te. Tu vas te marier. Yokobala balinga balinga te. Même si un oncle dit que okobala te totala so okobala, il y a un okobo sani adresse. Amen. Yemsa noko peut-être au habité au bosani combo mengai naza déjà marié. Tu vas dire à ton oncle que tu as oublié l'adresse, mais moi je suis déjà marié. Wa monyon so ba tumutsu so ba vivre yoko vivre ngoko ne kabango. Ça c'est une chose, c'est que d'autres personnes ont vécu, toi tu vaincras à la plus grand miracle dans un temps. Le lozola la na mbetu ya ma ozola la mabele. Yemsa bango c'est encore pour un temps. Même si aujourd'hui tu passes la nuit sur une natte, tu vas leur dire que ce n'est que pour un temps. Le bambé tonanga qui toque ses bombisami. Tu vas leur dire que Dieu m'a préparé déjà un beau lit. Dans la résurrection. Sur le temps de la résurrection. Joseph a quand même des visions de Goufi, mais au temps convenable, les gens avaient conçu sa vision au Yapézagi Joseph. Joseph avait pensé que la vision était détruite, mais quand le temps de Dieu est arrivé, nous dirons. Le prophète Joseph qui va passer et nous applaudissons le terme parce qu'il est merveilleux. Alléluia. J'ai beaucoup voyagé en Europe, mais je vous dis, ce jeune homme est vraiment spécial. Le bas spécial. Le dit spécial. Le prophète Nzambe est spécial. Dit prophète de Dieu, tu es spécial. Le bas Molobeli, Natango Nasuka, Loba.
Si tu es le messager du dernier temps, tu vas parler maintenant. Mosakolin Tomba. Tu es le prophète de Dieu. Molobenata Monasuka. Tu es le messager du dernier moment. Mopakolaminankolo. Tu es loin de Dieu. Namoni église nae, musalo nzamba saine lengoyo. Soki bana katia 13, bana njini, bana kini. Mosezil epako nzamba tie kataye. Pe biloko ba nzondo ezoku epana yete ogobongate. Amen. Alors na ligito ya mbaye, totele mabiso nyoso. Esiko zali sote, zwa mandala, toza na maputa. Pepa yango, pepa. Jésus ce soir. Yes, Azana bon moi sous le nom pourquoi? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Yes, le nom pourquoi? À ce qu'il est sous. Alléluia. Amen. Nous allons louer encore le Seigneur. Nalingi to kumi salisu nzambe na biso ba langa nzembo ba songa wa. Banyama, Balindo Tanangayo, Yesio Nimaki, Koko Fabote Nanabika, Bolingo Nayo, Yavele Kikati Namoteba, Kolo Yesu Nana, Oh Yaya Nangaye, Oh Yesu Yaya Nanga, Yavele Kikati Namoteba, Kolo Yesu Nana. Parce que ta puissance est parmi nous. Parce que ton règne est au milieu de nous, Seigneur.
Pote et Kojali Samanayo et Zalikati Nabiso. Parce que ton règne est au milieu de nous, Seigneur. Pote Kojali Samanayo et Zali Longo Nabiso Lelo. Prêt à lever réellement Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Prends le contrôle sur toutes choses. Zouangouya Likolo na Nyonso. Dans le nom de Jésus. Nakombo na Yesu Messia. Seigneur, car tu es réellement l'alpha et l'oméga ce soir. Nkolo, natondi yon pote Zali et Bandelo Pesu Kanabiso Nampokwa Oyo. Que les magiciens, les sorciers soient les bienvenus ce soir. Et te basolo. Tu es aussi venu pour eux, Seigneur Jésus. Que ton sang couvre ce lieu. Et que ton genou fléchisse. Et que toute la langue confesse. Et que tu es réellement le Seigneur. Et que solo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Kembo Nzambe. Pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci Tokoki Kofanda. Il y a une chose que Dieu va faire au milieu de nous. Que Dieu va continuer à faire. Dieu est en train de susciter toute une armée nouvelle. Dieu est en train d'élever toute une armée nouvelle. Une armée puissante. Cette armée sera équipée d'une puissance d'élire. D'une puissance d'élire pour dénoncer le péché. Dénoncer le mal. Dénoncer les compromis. Ce sont des gens qui n'auront crainte de personne. Ce sont des gens qui vont se lever comme une bannière pour annoncer la parole de Dieu sans compromis. Mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, Dieu a suscité réellement des prophètes au sein de cette nation. Dieu avait suscité des gens. Dieu avait suscité ces gens avec une onction particulière. Et il s'est avéré que beaucoup se sont écartés. Beaucoup se sont écartés du droit chemin. Ils ont suivi la voie du Balaam. Ils ont préféré se laisser appérer, ils se laissaient séduire par l'esprit jézabélique. Ils ont préféré se laisser séduire par l'esprit de Mammon. Ce qui fait que beaucoup ont perdu l'onction originale. Ce qui fait que beaucoup ont perdu réellement le message que Dieu leur avait confié. Et ils ont pris des messages à que Dieu n'avait pas donné. Ne leur avait pas donné. Ce qui fait qu'ils ont commencé, ils ont rajouté à l'évangile d'autres choses. Alors que la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Je bénis Dieu pour ces révélations. Réellement, Dieu est en train de susciter ce soir. À partir de ce soir, à partir de hier soir, Dieu est en train de susciter un mouvement nouveau du Saint-Esprit au milieu de cette nation. Je suis en train de voir toute une armée nouvelle que Dieu suscite. Et dans cette armée, cette armée sera accompagnée souvent des anges de Dieu. Et ces anges seront visibles à l'œil nu par beaucoup de gens. Car le pays a pris un retard énorme par rapport à l'évangile. Il y a un réveil réel. Mais il y a beaucoup d'élites, il y a beaucoup de gens qui calomnient la voix de la parole de Dieu. En introduisant des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait que je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais point serviteur de Dieu. Je ne suis pas venu pour plaire à un homme.
Je suis venu pour parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la prospérité. Alors que la Bible nous montre clairement que la prospérité ne peut venir que par la sanctification. Que la prospérité ne peut venir que par la crainte de Dieu. C'est un évangile facile qu'on nous prêche souvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, beaucoup aujourd'hui refusent tes paroles. Beaucoup aujourd'hui veulent des paroles douces. Paul disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Et ça donnera une foule de docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses agréables à l'oreille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous prenons l'homosexualité. Aujourd'hui, nous prenons la polygamie. Et nous nous disons serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit une chose. Le commencement, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible ne dit pas. Dieu créa l'homme et les femmes. Dieu a créé l'homme et la femme. Et la même Bible dit 1 plus 1 égale 1. La Bible ne dit pas 1 plus 2 égale 1. Mais 1 plus 1 égale 1. Mes soeurs, nous sommes arrivés à la fin de temps. Le fils de l'homme n'est plus loin. Jésus revient chercher son église. Et la Bible nous dit qu'il viendra chercher une église sainte. Une église sans rides. Une église pure. C'est pas une église mélangée. C'est pas une église sale. C'est pas une église ridée. C'est une église pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. Là, Dieu est saint. Dieu n'est pas impur. La parole de Dieu est pure. Ce n'est pas une parole impure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous m'aimez encore ce soir? Alléluia. Vous verrez que la vérité opère des miracles. Et que ce soit cette vérité opérera des miracles. Vous savez, la Bible nous dit que le diable aussi opère des signes. Le diable opère des signes. Ce sont des signes mensongers. Vous trompez les gens. Est-ce que vous savez que le diable aussi a son onction? Est-ce que vous savez que le diable a son onction? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez m'aimer ce soir? Est-ce que vous allez continuer à m'aimer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous savez que le diable a son onction? Je pense que vous le savez. Frères et sœurs, il y a une chose que vous devez connaître. Il y a beaucoup de gens qui ont touché à la magie pour avoir l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ont touché à la sorcellerie pour avoir l'onction. Et je vous dis à ceux qui arrivent, jour pour jour, vous allez voir, Dieu va commencer à faire tomber ses têtes. Qui ont caché longtemps la vérité aux gens. Mettez-le encore ma boca, ma cache. Gloire au Seigneur.
et qui disent aux gens, Bazola Banabato, venez acheter ce moussoir. Yaka osamba moussoir le haut. Imbibé de l'onction. Et ton disami n'est pas collé. Vous aurez l'onction. Yoko soit yango. Mais l'onction ne peut pas être négociée. Kasi et pas quoi, yango basomba kate. L'onction est gratuite. Yango est allié loko ya ofele. Un jour, quelqu'un voulait acheter l'onction. Mokolo moko motoninga sombe pas collé. C'est Simon le magicien. Et Zala qui Simon a motona magicien. Il dit à Pierre, il propose de l'argent à Pierre. Alors, il n'a pas de l'autre, n'a pas de l'argent à solo. Pour que je vais te donner l'argent afin que tu me donnes ce pouvoir. N'a pas de l'argent à solo. Pour te dire, pouvoir égale autorité. Pouvoir égale puissance. Besoin qui a offelé. Donnez gratuitement. PCP a offelé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour à Paris. Yoka Mokolomoko Nambok à Paris. Je suis allé voir un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Nakai Kotala Mosai Nanzame Mokona Lingaka Mingi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas. La vérité qui libère. Même si tu ne m'aimes plus après. Je sais que le Seigneur m'aimera toujours. C'est ce qui m'importe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors cet homme, je suis allé le voir. Je voulais simplement qu'il prie pour moi. Non, pour que je reçoive l'onction. L'onction, je l'ai reçue depuis le ventre de ma mère. Mais je voulais simplement qu'il prie pour moi. Cet homme me dit quelque chose. Que tu m'amènes un cadeau. Quelque chose. Moi, qui te coûterait plus cher. Que tout ce que tu as. Alors je lui ai dit. Parce qu'il me disait, c'est une offrande de dédicace. Mais j'ai lu dans la Bible. Gana tangi na Biblia. Et dédicace égale consécration. Koyeba kobonza yango nezali kondima kobonza. Et le mot dédicace. Mpe likambo dédicace. Il y a que dans trois livres de la Bible dont on parle. Ezali kaka na babuku misato kati na Biblia. Après on a dans d'autres livres on parle de la fête de la dédicace. Mpe na babibu na babuku musuba lobi kaka fête ya dédicace. La première fois qu'on a parlé de ce mot c'était avec Salomon quand il a dédicacé le temple au Seigneur. Mbala liboso balobi kombo dédicace ezaki na tina mosakoli Salomon. Je sais pas pourquoi je parle de cela. Na lobi na yebite tina nina zolobela. J'avais pas prévu de parler de cela ce soir. Na banda kitete na lobela yango awa. Mais je crois que c'est l'esprit de Dieu qui me pousse à le dire. Kasi na banda te molimo na nzambe. Et je suis convaincu qu'il y a un but. Je suis convaincu qu'il y a une raison. Pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dédicacer, c'est le temple qu'on dédicace. Qu'on dédicacer, c'est l'un des temples l'on débaille. Et pour dédicacer le temple, on est appelé à faire des offrandes. Bon, qu'on yébisa qu'on dimisa. Et dédicacer, vous alliez être. On fait des offrandes. Ce sont les offrandes que Salomon avait faites à Dieu et non à un homme. Salomon n'a pas dédicacé des animaux, il a dédicacé le temple, mais pour dédicacer le temple, il a offert des animaux au Dieu vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si on doit faire une offrande de dédicace, étant donné que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes appelés à dédicacer notre temple devant le Seigneur, au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul disait, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cet homme me dit, alors il faut que tu amènes une offrande. Je lui ai dit, combien ça t'a coûté l'onction? Ça ne lui a rien coûté du tout. Je parle par rapport à l'argent. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. On est arrivé à la fin de temps. Vous devez vous réveiller. Vous devez réellement lire vos Bibles. Comme les Juifs de Béré. Qui ne s'étaient pas fiés à l'onction de Paul. Ils ne sont pas fiés au fait que Paul ait ressuscité les morts. Mais ils ont dit Paul. C'est vrai que tu as l'onction. C'est vrai que tu as les révélations. C'est vrai que tu as la parole. Mais nous allons vérifier à chaque fois. C'est ce que tu es en train de nous enseigner. Si ce n'est pas biblique, je n'applique pas la foi. Car nous sommes appelés à suivre un seul homme.
à imiter un seul homme. Et c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et qui est sorti du tombeau victorieux. Et qui a su vaincre la mort. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, les Bérés ont vérifié la parole. Et comme Paul était conforme à la parole de Dieu, ils ont suivi Paul. Mais s'il n'était pas conforme, il n'aurait pas suivi. La Bible dit un aveugle qui conduit un aveugle, il est tombé dans un trou. Nous avons un seul modèle, c'est la Bible que nous devons lire et relire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous, serviteurs, nous, pasteurs, nous sommes les serviteurs du peuple de Dieu. Nous sommes appelés à vous servir. Et non à être servis. Nous ne sommes pas appelés à s'enrichir de vos sous. Paul a dit, nous sommes là pour vous bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Quand je disais que Dieu va susciter une armée. Une armée nouvelle. Et vous allez voir dans 6 mois, beaucoup de ces gens qui sont à la tête du pays. Dieu va confondre. Dieu va fermer les portes. Parce que Dieu leur a donné du temps. Ils ont pris Dieu pour un enfant. Mais la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est un homme aura semé. Il le moissonnera. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un homme aura semé. Il le moissonnera. Et Dieu me dit, mon fils, l'heure de la moisson pour ces gens est arrivée. Ils vont moissonner ce qu'ils ont semé. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et je sais que ce sera des scandales terribles. Tout le monde en parlera. Il y en a qui que Dieu va enlever carrément. Quand on ne se souviendra plus de leur nom. Et maintenant, cette élite nouvelle que Dieu va susciter. Ces gens qui étaient déconsidérés, rejetés, qui étaient regardés avec un air méprisable, et Dieu va commencer à les susciter avec une onction particulière, avec une onction d'Élie, pour confronter les Akab, pour confronter les Jézabel, pour confronter les Hérodes, Dieu va les susciter. Et ces gens vont oser dire à ces gens qui sont à la tête, vous êtes écartés de la voie, vous devez arrêter, car le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mort, n'est pas un Dieu de mélange, n'est pas un Dieu de plusieurs femmes, n'est pas un Dieu qui se trouve dans les mouchoirs. C'est un Dieu qui règne dans les cieux de Dieu. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est béni. À condition qu'on soit dans la bonne fréquence. C'est-à-dire que tu es dans la sanctification. Dans la Bible dit que Dieu nous a appelés à la sanctification. Non à l'impureté. Non à des mélanges. La grâce de Dieu, source du salut, nous a été révélée. Cette grâce nous enseigne à vivre dans la pureté et la sanctification, loin des souillures du monde. Frères et sœurs, je sais que beaucoup vont m'aimer.
Mais je sais que ce soir, Je m'aimerai encore davantage. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 11 que quelqu'un que Jésus aimait beaucoup était malade. Cet homme était très malade. Et la Bible nous dit que cet homme habitait à Béthanie. Et la Bible nous dit que cet homme que Jésus aimait allait mourir. Alors comme Jésus n'était pas dans la même ville que cet homme, on a envoyé des gens le chercher. Qui viennent le guérir. La mort avait frappé à sa porte. Alors les gens sont partis chercher Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ce n'est pas pour le conduire à la mort. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Est à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus était avec ses disciples. Yes, Zaki et Lazare se trouvait en Judée. Lazare était qui n'ambo qu'à Judée. Et là-bas, Jésus a fait être lapidé. Pekuna, yes, sengela ki baba mbaye mabanga. Et Jésus a dit, yes, Olobi. Nous allons encore passer deux jours. Tokole kisasu mikolomi bale awa. Et après ces deux jours, benasima mikolomi bale. Nous irons le voir. Tokene kotala ye. Et deux jours après, benasima mikolomi bale. Mais entre temps, Lazare était mort. Wana yin ya Lazare s'est akufi. Jésus dit à ses disciples, yes, nous allons voir Lazare. Parce que Lazare dort. Mais la Bible nous dit, les disciples disent, mais maître, mais là-bas on a voulu te lapider. Il ne faudrait pas qu'on y retourne. Mais Jésus nous dit, yes, Jésus dit, yes, nous allons y aller. Car je dois accomplir une œuvre parfaite. Nous dois réveiller notre ami Lazare. Qui dort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, Bible le vin abisso, dans le verset 16, wanana mokapo ya zomi, sur quoi Thomas appelé Didim, naboye, Thomas oye mabenga ki na kombo ya Didim, dit aux autres disciples, alobi na baye kolimo susu, allons aussi afin de mourir avec lui. Tokende peto kufe longo na ye. Et comme Bethany, Lokola mboka Betania dans le 18 ans était près de Jérusalem, ezalaki pembeni na mboka Jérusalem à 15 stades environ, wana ezalaki na motango moke penza, beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et le et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et bele na bayuda bayaki koyeba kopangusa Maria. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans le verset 27, Mpena mokapo esika angele salobi. La Bible nous dit, Bible lobi na biso boye. À partir du verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Yesu alobi ete nazali liseko ape bomoi. Celui qui croit en moi vivra. Oyo andimelinga akozala na bomoi. Même s'il meurt, atako ya kufi. Et quiconque vit et croit dans moi, oyo nyonso zali na bomoi pa ndimelinga. Ne mourra jamais. Akokufa te. Crois-tu cela? Yondimi ango. Elle lui dit, Père Lobina, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà que Jésus est arrivé à Bethany. Il a rencontré la famille éprouvée. Et Lazare, apparemment, c'était le seul garçon de cette famille. Et Jésus est arrivé à cette ville. Il a retrouvé la famille enterrée. Et les sœurs qui pleuraient. La Bible nous dit que les Juifs étaient venus ce jour-là pour consoler les sœurs. Jésus va réconforter cette famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans le verset 35, il nous a dit que Jésus pleura. Mais pourquoi celui qui... Pourquoi Jésus va-t-il pleurer? Bonanini Yesu esengeli alela. Parce que Jésus était 100% homme. Mbote Yesu azalaki penda na nzoto ya bomoto. Et 100% Dieu. Mbe azalaki pe na bonzambe na ye. Bien sûr, il a ressenti la douleur qu'avait cette famille. Ayoka ki pasi o esaki na libota ou. Comme la Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a souffert comme nous, qui a souffert, qui était charnellement dans la chair et qui a vécu les mêmes épreuves.
mais qui n'a pas succombé à la tentation. Le lenge bibi elobi na biso ete tozali na motumbi meka moko azali kolona nyoso oya kwesa makite na komekama alonga ki nyoso ya kiliboso na ye. Je dis que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos souffrances. Tolobi bibi elobi ete tozali bobele na motumbi meka moko oya azali kobonza pasi na biso. Donc Jésus connaissant la souffrance des gens, Yesu ayeba ki mpasi na bato, il va pleurer pour cela. Alali na tina na yango. Et plus tard la Bible nous dit, mpe mosika bibi elobi na biso. Dans 39, Kunana tokitina makomi, Jésus dit, Yesu alobi, ôte la pierre, longola libanga, Marthe, malata, la sœur du mort lui dit, wana ndeko ya mwasi ya Lazaro ya nodi, il sent déjà, nkolo abandi kolumba, il sent déjà, abandi kolumba, ah, il y a 4 jours, mpote mikolo mine yangoyo, qu'il est là. Yes, akundamaki. Hallelujah. Lwandisama na makambo ya ba ebele na tango wana. Les Juifs à cette époque. Na nekola lisama na tina libota ya ba Juda. Lorsqu'une personne meurt. Tango moto akufi. Trois jours après, si ma mikomisa, son âme sort de son corps. Et limona ye sengelie bimana nzoto. Là, il n'y a plus possibilité que la personne revienne à la vie. Wane zali susu na nzela tete moto ya tsonga na bomoi. Donc Jésus voulait démontrer aux Juifs qu'il est au-dessus de la mort. Yesu alinga katali sepai na ba Juda et azali likolo ya kufa. Jésus voulait démontrer à ces gens qu'il a la puissance sur la mort. Yesu alinga katali sepai na mpifo likolo ya kufa. Il a permis que Lazare reste dans le tombeau pendant 4 jours. Tala tinani apesa kinzela et Lazaro avana na kunda mikolo minei. Et la Bible nous dit que Lazare sentait déjà. Pe bibi le bien était Lazaro akomi kolumba solo. Hier nous avons vu l'obito monaki. Et Dieu avait dit que le peuple d'Israël disait que nous avons perdu. Et libota na Israël baloba ki ete esito bebi na biso. Et nous sommes réellement perdus. Ya solo esito bebi. Et nous n'avons plus d'espoir. Elike bungisami. Parce que nous sommes humainement limités. Mpote na bomoto boema yena biso esuki. Et voilà cette famille a connu le même problème. Dala libota ope bakweka na likambo moko wana. La limitation. Ya koyeba kosuka. Ils étaient limités parce que Lazare était mort depuis 4 jours. Basuki pote Lazare mikomi na yango alali pa. Et ils sentaient mauvais. Akomi Kolumba solo. Humainement parlant, ce n'était plus possible qu'il revienne à la vie. Parce que pour les Hébreux, son âme avait quitté déjà son corps. Son âme avait rejoint l'autre monde. Et pour cela, Marie a dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il sent déjà, laisse tomber. Je sais qu'il résistera au dernier jour. Mais pour l'instant, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Combien se retrouvent dans cette position? Où il n'y a plus d'espoir? Combien ce quartier s'est trouvé dans un désespoir total? À cause de la sorcellerie qui règne sur le quartier. À cause de la magie qui règne sur le quartier. À cause des blocages qui règnent sur les gens. Beaucoup ont perdu l'espoir. Beaucoup ont perdu l'espoir. Mingi babungi il n'y a plus rien à faire. Humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Beaucoup ont frappé à plusieurs portes. Mingi babeti na bikuke ebele. Mais ces portes ne s'ouvrent pas. Kasi bikuke zo fongwa mate. Que ferions-nous? Car les portes sont fermées. Mpote na suki na ngai. Je vais frapper à telle porte. Na beta bisika nini. Mais elle est fermée. Ezaka ya kokangama. Je vais à une autre porte. Mais celle-là également est fermée. Donc que ferais-je? Je sens déjà. Oh, Nakomi Kolumba. Je sens déjà. Nakomi Kolumba. La situation est désespérante. Makambo ekomi penza ya likolo na zanga. Mais beaucoup aussi qui ont été condamnés par les hommes. Mingi bakwesa mina tina na bato. Les hommes qui ont dit mais tu ne peux pas avancer. Bato baloba ete yo oko kende sur libosote. Tu ne peux pas aller plus loin. Pardon. Tu ne peux pas aller plus loin. Oko kende mosika te. Car tu es limité. Mpote yo suki. Beaucoup se sont retrouvés en laisse. Mingi bakoma na l'est. En laisse, en laisse. Ils sont ligotés. Mingi chaîne. Bakangami singa na kingo. Ils ont un périmètre à respecter. Bango bakangi bango singa lokola nyamo bakangi singa moyeke na mosika ezayite. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce périmètre. Akoiko kende mosika singo bakangi. La situation est désespérante. Mpote likambo ekomi kobungi selika. Ça peut être une maladie. Maladie qui te lit depuis des années. Oye kanga yo kala. Ça peut être la pauvreté. Et quoi que ça la bobola. Peut-être dans ta famille. Tant aussi na libota na yo. Personne ne réussit.
Moto moko ta kena liboso. Et tout le monde dit, mais dans cette famille, personne ne va de l'avant. Bade mon abaloba et moto moko ta kena liboso. Les gens disent que personne ne va de l'avant dans cette famille. Bato bakoloba et famille, bete la mouta kobongazate. Peut-être que dans tes démarches, tant que sous une amistad la peu au kendaka. Pour le voyage. Pour la koloka obe kende mobembo. Pour aller plus loin. Okene mosika. Peut-être que les portes te sont fermées. Biku kenyo saba visa ba passeport et kangama. Ça fait 5, 10 ans que tu sais. Ta maladie n'a plus de médicaments. Maladie yo yo soit sous la cité. De médicaments. Qui s'est là, c'est fini. Wana bato balobi. Et tu es condamné. Répète yo quoi, Sami. Les hommes condamnent. Bato bako saka. Et ils te disent dans 2 ans. Bako le banon amoule mi balé. Dans 6 mois. Namoule na sanda sambo. Prépare-toi parce que tu ne seras plus là. Bonga ma kapote yo kokufa. Peut-être que les sorciers. Tangsu bandoki. Ont condamné ta vie. Bango ba kanga bo moina yo. On dit que dans 2 ans. Balobi na yete namoule zone. Dans 6 mois. Namo sanda mochoba. Tu partiras. Yo kokufa. Et tu te dis. Payo mi lobi. Seigneur. Okolo, je sens déjà. Na lumbi solo. Je sens mauvais. Na lumbi solo. Laisse-moi mourir en paix. Kikanga na kufa na kimia. Na ya plus d'espoir. Pote na bungi se likia. Plus de force. Na zasu na makasi. Ya plus d'espérance. Na zasu na likia te. Peut-être que dans ton ministère. Tango mesu na lotomo na yo. Dans ton ministère. Na lotomo na yo. Tu as connu plusieurs divisions. Okutana na bokabo la miebele. Tu as connu plusieurs difficultés. Okutana na mikakata rebele. Les gens t'ont condamné. Bato bakwesa yo. Dans cette église. Kati na eklesia. Y a que des problèmes. Makambo na makambo. Y a que des divisions. Kokabo la l'église depuis 10 ans. Bato yango meklesia ezali na mbula zone. Mais ne perce pas. Kasi ekenda kaliboso te. Je sais pas. Kasingele sa oyo. On est le Seigneur depuis des années. Ayebi kolo mikubabu le bele. Je n'ai prié. Ayebi koki la peko bo bele. Mais ne perce pas. Kasi azo kenda liboso te. La situation devient désespérante. Makambo na yo ezali akobongisa. Et tu te dis Seigneur. Omi lobi. Je sens déjà. Na lumbi solo. Tout est parti. Na kende wa. Mon espoir est fini. Eli kiana nga yesu. Je suis limité. Ngai na tele miawa. Seigneur. Kolo. Depuis 4 jours. Mikolo mine yango. Je suis là. Na zaliao. Je sens mauvais. Na lumbi. À la vie. Akosonga na bomoi. Jésus dit, Kasiye Salobi, Marthe, Malata, Marie, Maria, je suis la résurrection et la vie. Je tiens à l'écran de la mort. Et de ce jour de mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais Jésus dit, Yesu alobi. C'est moi qui ai le dernier mot. Ngai nena zana liloba suka. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une chose que Jésus a demandé. Ezana loko moko Yesu atunaki. Avant qu'il ne puisse accomplir ce miracle. Yambo ako kisabika mwa oyo. Il a dit aux gens. Alobi na bato. Ôtez la pierre. Longola libanga. Pourquoi il fallait-il ôter cette pierre? Bona ni esengela ki balongola libanga. Ah, c'était une gêne. Pote yango ezali kotele mela. Ah, cette pierre. Pote libanga oyo. C'était un obstacle. Ezala ki libako etele mela ki. C'était un obstacle. Ezala ki. Ah là, c'était fier. Pote libango yo. Était placé devant la porte. Et c'est là qu'il y bossait, couqué. Oh, oh, la Bible nous dit. Libère le bimbo yo. Que le bon berger est un moment de l'impasse par la porte. À côté qu'on est couqué. Que le bon berger est un moment de l'impasse par la porte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs. Bolinga miyoka. Cette pierre. Libango yo. C'est symbolique ce soir. Ezalinde lembo na poko na lelo. Cette pierre. Libango yo. Symbolise beaucoup de choses. Ezali kotali sa makambo ebele. Cette pierre. Libango yo. Symbolise beaucoup de choses. Ezotali sa makambo ebele. Tu dois ôter de ta vie. Ezengele longwa na bobo ina yo. Peut-être que tu as jeûné. Tango so kila. Peut-être que tu as prié. Obondela. On t'a fait l'onction d'huile. Pakwa ya mafuta. On a imposé les mains sur toi. Batia yo maboko. Que tu as semé abondamment. Olona pe mi makambo. Tu n'as toujours pas voyagé. Kasi okendaka mobembo te. T'as pas eu le mariage que tu voulais. Mais pas libala te. Mais parce que Dieu te dit ce soir. Kasi na pokwa na lelo. Il y a une pierre devant toi. Libanga moko eza na liboso na yo. Dieu ne peut pas venir devant toi. Ndamba ko ikoye pa ina yo te. Tant que cette pierre sera là devant lui. Lokola libango etelemeli yo. Car Dieu. Pote nzambe. Ne peut pas te voir au travers la pierre. Esengeli te amona o malamu pote libanga zo zangila. Dieu veut te voir directement. Ndamba linga mona yo miso na miso. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette pierre. Libango. Symbolise. Peut-être pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Symbolise pour eux l'incrédulité. L'incrédulité. Les gens qui critiquent tout le temps. Ils disent mais Jésus par là et Jésus par ci. Mais qu'est-ce qu'il a fait c'est Jésus. Et ce pasteur qui n'arrête pas de déconner. Pasteur bango pe mokona mokolo sango mabe. Peut-être cette pierre pour toi, c'est l'incrédulité. Longola libango est le cola motazin condima. Le péché, masungu, l'adultère, l'impudicité, le vol,
Moïbi, toutes les choses, Macamo, Nyos, Sopéry peut-être aussi, Kindo qui peut être aussi, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, la cupidité, la cupidité, le lignes sur le mingue, l'orgueil, le fundu, mettre le pied, et la maman, qui empêche de tirer sa voix de côté, oui, ça va faire ça, ça va faire ça, allez-vous de la haine, je vais faire ça, que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Zambé a pesaka réponse était pas inabatura basumu. Mais si quelqu'un fait sa volonté, ce qui m'a coqué si mokano na Zambé, celui-là, moto wana, Dieu l'exaucera. Zambé ko yeba ko ya. Si tu fais la volonté de Dieu, ce qui osai mokano na Zambé. Je dis bien la volonté de Dieu. La Bible dit bien la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi qui vas chercher le deuxième bureau comme dit du pasteur. Yo, zaliko kende ko luka deuxième bureau loko la pasteur. Toi qui vas chercher le deuxième bureau de ton pasteur. Yo, zaliko kende ko luka deuxième bureau ya pasteur na yo. Tu es en train de faire la volonté de l'homme. Ozaliko kokisa mokano na moto. Et il y a une prière devant toi. Ezana libanga liboso na. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus disait. Yes, koloba. Ma nourriture, Bili anangai, c'est de faire la volonté kokisamokano, de celui qui m'a envoyé. Na moto ya tindangai. Donc réellement, si tu fais la volonté de Dieu, so ki abo solo kokisamokano na nzambe, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Okomona kembo na nzambe na bomoli. La lumière va se lever dans ta vie. Mpole kokota na bomoli na yo. La gloire de Dieu va se lever dans ta vie. Kembo na nzambe komoni sama na yo. Car la Bible nous dit dans Ephésiens 3:12, Bibelo bina biso na mokanda liboso ya Petro, que les yeux de Dieu, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et te miso na nzambe ezali kolo na bato ya bosembo. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons dénoncer le péché. Nous devons arrêter avec le péché. Nous devons arrêter avec le mensonge. Nous devons arrêter avec le vol. Nous devons arrêter avec le mensonge. Nous devons arrêter avec la cupidité. Nous devons arrêter avec les mélanges. Nous devons arrêter avec les compromissions. Nous devons arrêter avec l'adultère. Tu dois arrêter l'adultère. Car la Bible dit les adultères. Les ivrognes. N'entreront pas au ciel. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit. Bibelo bi. Dehors le chien. Bobi maba moua. Dehors les voleurs. Bobi maba yibi. Dehors les maçons, les menteurs. Bobi maba talokuta. Quiconque aime et pratique le mensonge. Matonio ça veut qu'on se perde. Dehors les pudiques. Bobi maba tu as mis ça à bosso. La Bible nous dit. Bibelo bi. Quelque autre péché qu'un homme commette. Moto ça veut qu'on longola lissumo à moto. Ce péché, l'isumu, ce péché est hors du corps. Et bimi katinaye, quelque autre péché qu'un homme commette, l'isumu songolo nani moto ebina kosala. Ce péché est hors du corps. Yango bimi katinaye. Mais celui, kasi oyo, ou celle, tope moi na moi. Qui se livre à l'impudicité, oye azaliko bonza na bosoto. Contre son propre corps, azaliko sala l'isumu na tina nzoto na yemoko. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit également. Bible le mina biso lisusu. Il y a des gens qui vont divorcer. Ezali na bato bazaliko kabola na mabala. Et sans raison biblique. Wana ezali na tina te kati na makomi. Parce que du jour au lendemain ils n'aiment plus leur femme. Mpote lotongo etani on alingi lisusu te. Parce que du jour au lendemain ils n'aiment plus leur mari. Mpote moi suis alingi sou mobali na yete. Ils n'aiment plus leur mari. Alingi sou moi si mobali. Alors je vais partir avec un autre frère. Tikana kenanga na landa mwana mbali. La Bible dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bibelo biete na tina
Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi qui vas dans les églises. Yo, ecclesia, pour semer les divisions. Dieu te dit, tu seras confondu si tu ne te réponds pas aujourd'hui. Nzamba lobi na yo sokio omiyanoli tel lelo akobimiso polere katina basho. Toi qui vas rapporter des choses entre les serviteurs. Dieu te dit, si tu ne t'arrêtes pas, tu seras confondu. Yo yo mema kasango mabe pa ina basai na nzambe sokio continue yango akobimiso polere. Là, c'est des pierres que tu te places devant toi. Ezali mabanga yo sokio tia liboso na yo. Et ça empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Ezako pekisa loboko na nzambe esala na bomoi na yo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi qui vis dans le mélange. Yo yo zali kati na sangisa sangisa ko sala nini. Aujourd'hui à l'église. Lelo na ecclesia. Demain c'est dans un bar. Lobi yo wana kuna. Après demain dans un hôtel. Lo wana kuna kati na hôtel. Et le lendemain encore le surlendemain encore avec la cigarette. Yo wana kuna na komela diamba pelo toko. La Bible nous dit. Bibe olobi. Qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Okoki ko sala nzambe te. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Basale la kabankolo mi balete. On ne peut pas servir deux maîtres simultanément. Okoi ko sale la bankolo mi balete mbala moko. Soit tu sers Dieu. Soit tu sers maman. Dieu ne veut pas que tu le serves à 99%. Nzambe alingi tete osalela ye teni mingi pe otika ndambo. Dieu veut que tu le serves à 100%. Nzambe alingi ete osalela ye mobimba na yo. Jésus a dit, Yesu alobaki, si quelqu'un aime son père, sa mère plus que moi, ce qui moto alingi tata na ye pe mama na ye koleka ngai, ne patine de moi. Azali na tina te pona ngai. Si quelqu'un aime sa vie plus que moi, ce qui moto alingi bomo na ye koleka ngai, ne patine du royaume. Azali pe na tina te na bokonja likolo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, molinga miyoka. Un jour Dieu m'a amené dans le séjour des morts. Mokolo moko nzamba memi ngai na bomo na kati na kufa. Je vais te visiter le séjour des morts. Ngai na kenai kotala na kati na mikolo na kufa. Je peux vous dire que ce n'est pas de la rigolade. Ezali makambo ko sekate. Je peux vous dire, frères et sœurs, naza ko loba na yo, que ce n'est pas de la fiction. Ezali makambo ya ko sangisa te ya ko monter. C'est une réalité. Ezali makambo ya bosolo. J'ai vu comment les gens souffrent là-dedans. Ngana mona ki lolenge ni bato ba mona kapasi kuna. Et croyez-moi, ndimela ngai, ce n'est pas encore l'enfer. Ezali kutu na kati na lifelo te. Car l'enfer n'est pas encore opérationnel. Mpote lifelo yango na no bafongoli yango te. J'ai vu des espèces de gouttes d'eau qui tombaient sur ces gens et qui les brûlaient. Ngana zalai komona matanga ya mayi ezokwea likolo na bango pe kozikisa bango. Et ces gens souffrent énormément. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 9:27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Tu dois te décider aujourd'hui. Il est temps que tu te décides. Dans la mort et à la fois imprévisible et inévitable. Imprévisible, tu ne sais pas quel jour tu partiras. Tu peux être en bonne santé, mais du jour au lendemain tu pars. Tu peux être en bonne santé, tu sors de chez toi et une voiture qui sort de nulle part, tu te rentres dedans et te voilà parti. Où sont tes bijoux? Où sont tes vêtements? Où sont tes chaussures? Ce sont des choses passagères. Où sont des choses dans lesquelles tu as mis ta confiance? Car la mort est à la fois imprévisible et inévitable. La mort te surprendra toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Inévitable. Tu ne peux pas la fuir. Il y a des gens qui mettent sur leur portail bango ba tiaka na ba porte na bango les étiquettes chien méchant n'entre pas. Akomi kuna lobi mbua sana kanda kokota te. Mais lorsque la mort arrive, kasi tango kufeyaka, elle ne regarde pas cette étiquette. Et moi na ka étiquette hôtel, la mort passe outre l'étiquette. Et puis moi ka porte e kota et la mort frappe et beti ona kati. Où est ton chien pour te garder? Wa pi mbua na yo ya kanda batela yo. Où est ton chien pour te garder? Wa pi basindi liba kengela yo. Où sont tes docteurs? Wa pi ba dokotolo na yo pour te protéger. Babi kisa yo, mais ton argent sera où? Quelqu'un un jour avait reçu beaucoup de récoltes dans son champ. Son champ avait beaucoup rapporté. Et c'est tout pendant 1000 ans. Et la Bible nous dit que ce soir, là, Dieu lui dit,
Kasi kaka bibi elobi ete na poka wana. Insensé. Motozoba. Insensé. Motozoba. Ce soir. Na poka na lelo. Ton âme. Elimona yo. Te sera redemandé. Yango ekoyeba na ko pima kati na yo. Où passeras-tu ton éternité? Okolekisa mikolo na yo yasuka wapi? Où passeras-tu ton éternité? Okolekisa mikono yasuka wapi? Est-ce que parce que j'ai reçu l'onction que je dois commencer à avoir les épaules hautes? Ezali po te na zue pa kwa yango esenge na tombola mapeka. Est-ce que parce que je dirige une assemblée que je dois avoir les épaules hautes? Ezali po te ngana za pasteur yango na tombola mapeka. Est-ce que parce que je parle la langue que je dois avoir les épaules hautes? Ezali po te na zolo ba minoko ya sika yango na tombwana. Est-ce que parce que je prophétise que je dois me considérer comme tel? Ezali po te na sakola ka yango na mitombwana. Salut Congo à Jésus Christ à Nazareth. Bétez-le ma boko makati. Bétez-le encore ma boko. Gloire au Seigneur. Un seul homme. Motobobele moko. Jésus Christ. Jésus Christ. Tout en langue. Nous connaissons. Confessant qu'il est Seigneur. Assis à la croix du Dieu le Père. Et devant son nom. Je nous fléchis. Devant son nom. La maladie fléchit. Maladie devant son nom. Je suis d'un fléchi. Devant son nom. Les magiciens fléchissent les gens. Devant son nom. Les magiciens fléchissent les gens. Devant son nom, il va ça comme yo. Je tiens le fléchis des genoux. Bangola Kokita. Devant son nom, il va ça comme yo. La condamnation fléchit des genoux. Bako Kwesama. Devant son nom, il va ça comme yo. Le président fléchit des genoux. Mokota Mokakiti. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la musique touche à nous. Babolongo Nyoso. Confessera. Ekotatola. Tout le monde confessera. Minoko Nyoso. Que Jésus est Seigneur. Ekotatola et Yesu Sankolo. Même si tu ne le veux pas. Attends l'ingangote. La langue va parler quand même. Unokole kolobango. Même si ton cœur dit non. Attends mon teme lobite. Même si ta bouche dit non. Attends mon okeboy koloba. Ta langue va faire boum. Et mon okole kofongoma. Jésus est Seigneur. Yesu Sankolo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mettez-le ma. Alléluia. Mettez-le ma. Alléluia. À mon nom, allez-y. Kende, pas à mon nom à moi. Alobite te na kombo yangai, parce que je suis mortel. Potenga na okufana, je passerai. Na koleka. Mais à mon nom, kasi na kombo nanga. À mon nom, na kombo nanga. À mon nom, na kombo nanga. Vous guérirez les malades. Bokobiki sababeli. Vous guérirez les malades. Bokobiki sababeli. Vous guérirez les malades. Bokobiki sababeli. À mon nom, na kombo nanga. Les gens condamnés seront délivrés. Bato bakwesa ma bakokangolama. À mon nom, na kombo nanga. Les gens qui ont été condamnés par l'esprit de célibat. Bato bakanga makina milimo ya célibat seront délivrés. Bako kangolama. À mon nom, na kombo nangai. Les gens à qui on a dit qu'ils ne voyageront jamais. Bato baloba ete yoko sala mobembo te. Qu'ils voyageront. Bako kende mbembo. À mon nom, na kombo nangai. Le quartier 13. Quartier 13. Condamné. Oh, bah, quoi, ça, mais aujourd'hui, Kasilelo sera libéré. Et Kangolami, au nom de Jésus, la Kombona Yes, 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 alléluia, gloire au Seigneur. Je dis à mon nom, la Kombona Ngai, ce quartier. Quartier yo connaîtra la puissance de Dieu. Et qu'on y ait ben pifon en Zambé. À mon nom, la Kombona Ngai, ce quartier. Connaître des hommes et des femmes où et où entre. Et qu'on soit manabas si pe mi balio ba pakolama. Et c'est qui ça? Dieu me dit mon fils. Que vous le croyez. Et que vous le croyez. Car lorsque j'étais à Paris, le Seigneur m'a montré une chose concernant les serviteurs. J'en avais parlé à l'homme de Dieu, le pasteur Thierry. J'avais pas prévu de prier pour vous. Et vous savez, lorsqu'on est devant, on est conduit des fois par le Seigneur à faire des choses qu'on n'a pas prévu de faire. Ce n'est pas que je sois plus grand que vous. Je sais qu'il y en a qui parmi vous qui étaient avant moi dans le Seigneur. Et il y en a qui sont venus après moi. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Liloba moko ponanga, Yesu loba ponanga, liloba e, loba loba moko ponanga, loba liloba moko ponanga, nakoni kona, Yesu loba ponanga, nakoni kona,
Ces ministères ont pris, on commence à prendre fin. Dieu doit être restauré maintenant. Il y en a qui se sentent étouffés. Dieu va commencer à réveiller. Pendant que je parle, la gloire de Dieu arrive. Merci, Père Seigneur. Dieu me dit, je rends plus, je rends plus, je rends plus, je rends plus, je rends plus. Je rends plus. Il y en a qui ont besoin de parler en langue. Il y en a qui ont besoin de prophétie. Il y en a qui ont besoin de ministère prophétique. Restez mon peuple. Tu vas t'envoyer les robes. À deux ans, tu vas ouvrir les portes pour les robes. Oui, oui, oui. Tu vas t'envoyer là-bas. Tu vas toi. Tu vas t'ouvrir les portes aux nations. Puis tu l'avais déjà dit. Vous êtes utilisé la terre. Maman, tu veux la tromper. Tu veux la tromper. Tu veux la tromper. Tu veux la tromper. Oui. Tu veux la tromper. 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 Merci. Donne-vous ton service au Seigneur. Êtes-vous ton serviteur. Père, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu as une vita prophétique. Les gens ont dit que cette église va découler. Cette église va découler, les gens ont dit. Mais c'est l'église de Dieu. Je te dis, Philippiens 1:6. J'ai commencé cette œuvre. Je la rendrai parfaite. Je
pour faire une œuvre de purification dans ton église. Mon enfant, marche par mes révélations. Par mes révélations. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Mon enfant. Oui, je vais t'élever. Beaucoup de gens viendront. Ceux-là qui t'ont quitté reviendront pour eux. Te chercher. Pour que tu pries pour eux. Ils reviendront. Ils reviendront. Les prophètes de la chambre. Tu as prié pour me donner l'argent pour construire l'église, pour couvrir l'église. Tu as jeûné pour cela. Tu as prié, mon enfant. Oui, j'ai entendu. La pluie ne tombera pas sur toi. Je vais t'ouvrir les portes car je t'aime. Mon enfant, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon serviteur. Ma fille, tu vas accoucher. Normalement, ne t'inquiète pas. J'ai entendu tes prières, tes cris. Il y a eu beaucoup de complications avant, mais tu verras ma gloire dans ta vie. Père, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit, pour cette femme. Merci, Seigneur. Merci. Il y a eu une autre chose pour les serviteurs. Touche. 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 Je t'aime. Je t'aime.
l'onction de Dieu. Je suis maman de parole à Minas Amé. Est-ce que vous sentez l'onction de Dieu? Aux accueils au Cambo. J'appelle la porte, j'ai dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'âme de l'onction. Ils allaient dans les pas colami. C'est l'heure de l'onction. Ils allaient dans les coquilles. J'appelle le pasteur Charles Lessi. Ma bengi mosai nanzambe Charles Lessi. C'est l'heure de l'onction. Ils allaient dans les pas quoi. Gloire au Seigneur. Et des miracles. De ta mon habitant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'heure de l'onction. Ils allaient dans les pas colami. Quel est le protocole se prépare? Manéko a protocole pour mon gamin. Regarde-moi ça. Voir la grâce de Dieu dans sa vie. Et dans la vie de ses enfants. Et parmi ses enfants, a saisi un témoin de lui, pasteur. Le pasteur. Dieu me dit de dire à cette femme que le fait qu'elle est dit au Seigneur, que je te consacre toute ma famille. Dieu dit qu'il vient de prendre toute sa famille. Et tous les serviteurs de l'éternel. Je vous aide. Vous êtes un protocole Maya Awa. Tous les frères et sœurs. Maneko Basinio se permet. Du serviteur. Oh, bah, c'est un protocole. Toutes les personnes du serviteur viennent. La ligne de Batonio, c'est un protocole Maya Awa. La foule. Plusieurs charges. Tout ce qui a été saisi par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, vous allez là. Il y a un nouveau contrat entre vous et Dieu. Vous allez voir si Kabino n'a jamais. À partir d'aujourd'hui, vous allez là. Parce que beaucoup de vous ont eu des propositions avec des pasteurs. Pour être la maîtresse. À partir de ce soir, la maîtresse s'arrête ici. Celle qui va tenter de sortir avec un pasteur, on l'entend dans les jours qui suivent. Parce que Dieu l'a décrété. Beaucoup au milieu de vous ont eu des relations.
ceux qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Ma partie d'aujourd'hui, je me dis de vous dire, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Sortez de là. Car là-bas, ce n'est pas le paradis. Mais c'est l'enfer. Le Seigneur me demande de prier pour vous. C'est pour cette raison. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais si vous ne voulez pas délaisser cela, vous obtenez la malédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous aime dans le nom de Jésus. Je vous aime dans le nom de Jésus. Je voudrais que nous tous nous retrouvions à la table de nous dans le paradis. Je voudrais que nous salmodions avec le Seigneur. Jésus. Je ne voudrais pas voir des frères et sœurs ici. Être en enfer. Pendant le temps que nous sommes au paradis. Car notre marche ici-bas. C'est pour aller dans le paradis de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous repentis. Nous allons demander pardon à Dieu. Pour tout ce que peut-être que nous avons posé. Tu n'étais pas la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions notre Dieu. Te remercier pour ces frères et sœurs ici présents. Pour tout péché qu'ils ont commis et toute iniquité. Éternel mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te prie que tu leur pardonnes tout ce qu'ils ont posé. Afin que Père éternel, il y avait Dieu, ton sang puissant vienne le sanctifier, purifier à l'instant. Et qu'il soit régénéré et transformé par la puissance de ton esprit de résurrection. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Éternel, que ton nom seul soit glorifié. Béni soit ton Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambo la bino. Mettez la colo maboko makasi. Que Dieu bénisse son serviteur. Zamba pambo la mosaï naïe. Pour toutes ces révélations. Pour tout ce que Dieu est en train d'accomplir ici. Oh, nyo son zamba zo sala awa. Parce que c'est vrai que dorénavant. Plus personne ne pourra être empêché. Plus personne ne pourra étouffer. Ce ministère que Dieu élève. Il y en a que Dieu va élever tellement. Et qui vont se mettre devant des hommes et des femmes. Qui ont même l'autorité politique. Pour te mettre devant des hommes politiques. Et dénoncer le péché. Dénoncer le mal. Arrêtez ces choses. Batika ma kamboyo. Que Dieu va amener. Jusqu'à ce qu'ils aillent voir des hommes de Dieu. Bakene kokuta na basai na Nzambe. Que Dieu a grandement élevé. Oyo Nzambe atomboli penza. Pour qu'il leur dise carrément. Pote Nzambe loba na bango solo. Arrêtez le péché.
Yako tika mabe. Arrêtez la polygamie. Yako tika makambo ya kimakango. Arrêtez la polygamie. Yako tika makambo ya makango. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons appeler les gens qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils vont avancer rapidement. Ils vont avancer rapidement. Que Dieu soit béni. Et tu vas accepter le Seigneur comme Seigneur le Sauveur. Tu devais abandonner la sorcellerie. Car Dieu maintenant, il y en a beaucoup qui veulent abandonner cela. Seigneur Jésus, m'appelle yo merci parce que vous allez jamais au linginga mingi on dima qui okufa ne kulu supona ngai ngai kindoki na boy mabe. Na sengi na yo Yesu okota kati ya motema na ngai. Salamu okozi pe mobiki sina ngai. Limbisa ngai. Sukola ngai na makila na yo. Gangola ngai. Na yeba yo. Merci Seigneur
nom de Jésus. Yo Satan, Naboy yo, Batemon, Naboy Mino, Napesibo Moïnana et Pena Jésus Christo. Nazali Lissou na Makamona Minote. Boti Kangai, Boti Kabobo Inangai. Okosi kati na motema na ngai. Okomi mokonzi pe mobikisi na ngai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Natiki libota na ngai nyonso epai na yo. Kangola ngai. Na maladi. Na marche ya mabe. Na pambo la ma. Mon azabe zali ko kita pe ko bikisa. Zala pre pona ko yamba libiki na yo. Zala pre pona ko yamba guérison na yo. Zabe zali ko kangola. Azali ko bikisa baba zala ba kiste. Okoyoka kiste zali ko bima kati na yo. Baba zali na kindoki. Okoyoka kindoki ya zako longwa. Lien yo sotre lame l'esprit ya ko katana. Mbema matoe na yo nyoso tu ozalai koyoka masolo. Kopima na butu. Nyoso ya ko katana po ete yeso. Ako zwa posesyon na vina yo. Zala pre tomo la maboko likolo. Nazali ko mona mbuya na nzambe. Ezali ko kita. Nazali ko mona moto na nzambe. Ezali ko kita yamba. Yamba na batu wa zakuna na ful. Yamba na kombo na yesu. Na komba Yesu, tomo la maboko likolo. Na sengi na batu nyoso ba yeka mpoi ba tomo la maboko likolo. Oya za maladi aso a me droite, a si me droite. Na komba la Yesu Kristo. Yamba bo kango la minoro. Yamba bo kango la minoro. Na komba la Yesu Kristo. Yamba, yamba delivrance. Yamba guérison. Yamba miracle. Molimo. Soyez guéri. Bible le dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans la paix. Dans la croix. Dans la maquille, il y a des gens qui prennent la au conçoit solution, au conçoit guérison, au conçoit miracle, au commun à la porte de la maison de Simayo. Jésus Christ est la lettre. Tombe à ma porte de colo. Jésus! Yamba délivrance à Sikozali. Yamba les soumis en colère à Sikozali. Au nom de Jésus. Tombe la maboko ikolo. Toko bele la Yesu mbalami balé. Deuxième fois. Komo la Yesu. Toko waka mou pepe zako simayo. Ou quoi qu'un mato dans le ton aïe, pour qu'on sente une guérison immédiate. Bati moussous, n'a pas ma mona kate bako mona. Boba yoka kate bako yoka. Oba loba kate, ako yoka, ako yoka, ako yoka, ako loba kotambola. Jésus! Yamba, yamba miracle, naza komona, Yesu azali ko simba pe azali ko bikisa. Mwasi mokole, ozali na liboso esika maboko na ngai eza kotandama. Yesu apesi yo bana mapasa mibale. Zala pre mbala suka yango, eza temps ya resurrection, eza temps ya guérison, eza temps ya miracle, eza temps ya baprodige na basi. Et attends, j'aime avec un multiplié, ma bénédiction grâce, j'aime avec un multiplié, miracle, ma protège, ma signe. Comment ma boc
Nikolo. Maloko Lembate. Okokana jusqu'à ce qu'on le Boko Nazambe Simbio. En fait, en tant que président en plateforme, tout le monde a une impression. En tout cas, na kamonza basali, katikati na biso pote nzambe, asali makambo to kanisa kite, pote nzambe tano sa sala ba makamba sala ka makambo ya minene, yango na nzambe nene sengo makasi na ibi kumba na ko kusprimonte ba parole donc muti makande tuzulu ba mini kolega maloba. Ah, tango to legani awa na kati ya full, to yoki ba to ba reclamer que en tout cas deux jours eza muke. Na ebité en tant que président de plateforme et loro nini boyeb sabatoyo bazali ko tala bando est-ce que silika ka lelo topé prochainement likambo boye ko sala malisus bon en tout cas ba vision mingi monani apa na likambo e salami na kanti eza mbala sukati eza loko moke botami menzambe tokola bandiango ako continuer likambo oyo. Et d'ailleurs, même dans le web, nous avons intégré dans le cadre de l'église que pendant la semaine au Tozali, et la semaine arrivée, nous avons la moussa, nous avons la moussa à mettre en exercice. Pour la bande de l'église, nous allons rejoindre la plateforme. Parole, les amis. Pour la bande de rejoindre la plateforme, nous allons accéder au salama. En tout cas, la porte est refongée. Donc, tout ça, les vices vont toujours marcher. Et nous avons besoin de système, bah, tout le monde a créé à vouloir faire. Nous avons toujours lancé à peine dans les gonions, sinon nous avons côté de la plateforme. Et tu m'as mon ami, ça, là, où ils ont mon intérêt, puis bien qu'on rejoigne, puis on peut être topé, c'est dans le bord, ensemble, tout ça, nous sommes ensemble. Ok, merci, pasteur. Mbote na yo. Mbote, papa. Tous les lelo na mikolo yami, balepe ya souka ya campagne à Bissot. Oye, sangisa ki beglise yo sur quartier 13. Loko la paix, bon samaritain, ça na kati, ya plateforme.
tolingi to yeba makanisi na yo ba impression na yo makanisi na nga ezali ke likambo esalemi ezali kamoko omoni resite esalemi pona biso nyonso tosanganaki soki ezalaki makanisi ya mutu moko to mabongisi ya mutu moko nombre oyo elingi koatendre awa te alors eloko oyo malamu ezala na continuité po ete tosala makambo oyo eleki monene eloko emarke ngai na motema mpenza nde yango oyo union fait la force mutu moko akokoka te me na lisanga tala ndenge likambo eza koleka ezali mpenza motuya mpenza mpona wana ntango totamboli bato balobi ke deux jours elekaki moke nayebi te mpona mbala nsima yo olobi nini mpona likambo yango mpe mingi badeklare nga nayebisaki bango ke moye financiere nde ekasaki biso moke mpona kotia deux jours na mikolo ekoya tokobongisa yango koleka ifo ezala kaka cinq jours bien une semaine wana oyo tosalaka campagne de lundi ya vendredi wana ekopesa mpenza kitoko mingi merci beaucoup pasteur campagne oyo esalami na quartier 13 esili mpe lelo yo impression eza ndenge estce osepeli to mpo osepeli te na sepeli makasi quartier 13 donc eza délivré vraiment na oyo tozaomona ezali koke malamu te vraiment na suite ya campagne oyo resite eza ya makasi sikoyo bino en tant que bayembi est-ce que prochainement bokoya lisusu soki eloko ya boye esalami tokoya tozanga te mpo ndenge esalami boye toya kuna mposa esalama lisusu oyo eza plateforme bapasteur nyonso ya quartier 13 bazali donc tokolinga esalama su tokoya sikoyo mpona bandeko oyo belenge basi neti yo bazoyembela nano mokili te lelo na quartier 13 message yo opesi bango na okonseye bango koyemba mokili eza na litomba moti eza na ntina moko te vomieke oyembela nzambe un jour ozoyeba kee na kozala quelque part epakolo mai oyembela mokili lelo soki ozala na bo moi te kokende wapi donc conseil na kopesa toyembela mobele nzambe pasteur vous avez été dans l'organisation de cette campagne alors nous voulons recueillir vos avis surtout que c'est la première fois qu'une telle campagne a lieu au quartier 13 quelles sont vos impressions non je suis tout à fait content très très d'accord de voir la grâce du Seigneur descendre dans notre famille du quartier 13 et nous avons effectivement compris qu'avec ça nous irons de loin et nous croyons que les derniers seront les premiers comme on nous appelle 13 et voilà le Seigneur fait une grâce pour la première fois que nous soyons encore premiers dans notre commune et nous croyons une fois de plus ajouter encore toutes les sortes de bénédictions dans notre famille de quartier 13 pour être nommés même dans le monde et que nous ayons même des choses plus extraordinaires, aller de l'avant même au niveau social et faire ce qu'il faut dans notre plateforme. Voilà l'essentiel. Tout à l'heure là, en passant dans les foules, nous avons entendu ce que les gens ont dit. Ils ont dit que deux jours c'était très peu et ils ne savent pas s'il y aura encore de telles occasions pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je sais que la plateforme est en train de s'accroître. Nous n'avons pas fait beaucoup de temps. Il y a seulement un intervalle de temps que nous avons pu faire et préparer cette campagne. Je sais que les années qui viennent, nous allons ajouter et faire même une semaine aussi, sur ce terrain pour faire des actions cohérentes qui pouvaient encore ajouter le réveil dans notre quartier. Et pour les pasteurs qui n'ont pas encore rejoint la plateforme, quel est votre message? Non, nous les appelons à bras ouverts. Donc, notre souci, c'est de nous unir, que ce soit le pasteur de confession religieuse tel que le protestant. Nous avons vraiment besoin du réveil. Nous voulons appeler les gens perdus pour revenir à la raison. Et nous soyons tous unis, un seul corps et marcher ensemble. Voilà ce que moi je veux. On vous remercie, pasteur. Tokomi na mokola souka ya campagne. Tolinga toye ba impression na yo. Bon, en tout cas, penza. Naza vraiment la joie que c'est pour la mini pour la campagne où on dégage les kits. Yango pensa où on est ça joie n'engage. Comme t'embêtes moi pour ces deux jours et c'est que ni elle est qu'à deux jours. Si quoi le peuple à quartier 13 ça remet tout la question est-ce que des campagnes yango et les kits parce que sur raison qu'on a poto et si là on peut pas boire topé malécoya bas celle n'zambé bago pèse à sous sous peuple cadeau à boire. Ah merci pasteur. Na nyonso oyo nzambe comme kene nzambe ye moto abongisaki yango nzambe mpe akobongisako mbala ya nsima to organize susu action ya boye parce que eza tozosala mpona nzambe e nzambe azotravaille ensemble na biso et comme ke nzambe azotravaille ensemble na biso elongo na ye nzambe akopesa su makanisi epai na biso mpo toorganize action mosu ya boye mpo epambola libota ya nzambe merci pesa biso kombolo na eglise nosambelaka kombola ngai se igeti nasambelaka na krista nupa pasteur blanchard merci tomoni
osalai musala protocole na kati ya kampanyo ya munene elekani ao. Est-ce que sepeli to ba impression no ezandeni? En tout cas na sepeli mingi. Bona ba place aboye. Mingi diable linga pona ko combattre ba protocole. Mais na ku misanzambe po to sel musala bande bande tu suka kitoko. Diable combattre biso te en tout cas pe makile tu masie za ke longo la biso. Ya na ku misanzambe pona campagne la biso le kitoko. Nzamba sali ya ko kamo pe sali ya miracle ya ko leka na ku misanzambe. Siko conseil yo pe sel na nzambe ndeto moni ke basangani pe premier pour basali si campagne campagne ngwe silika raboye et quelle libela to pe balance ma basali sali sus. En tout cas, Pesa conseil na opeta pona bango na remercier bango d'abord pona nde basangani en tout cas ba moko oyo e umela kati na bango de ki satana te aya pona okabula bango. En tout cas, campagne oyo za pemba la suka te pe ba liboto te dans e continuer mikola mikolo ba za bolingo ya kosanga na kali sus boye. Merci bien. Papa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, je suis Denis Gavoy Nganzou, je suis comptable de profession. Nous venons de vous surprendre là, à la campagne d'évangélisation, la toute première du genre qui a eu lieu ici au quartier 13. On aimerait savoir vos impressions. Je suis très impressionné du fait que c'est une avant-première dans la commune de N'Djili. Je suis très impressionné du fait que c'est avant-première de la commune de N'Djili. Car la commune de N'Djili, c'est une vieille commune qui date depuis 1953. Mais cet événement, c'est la toute première fois que je viens de se réaliser dans cette commune. Alors, si des choses pareilles devraient continuer à s'effectuer, la commune de N'Djili va de l'avant. Comme venait dire le pasteur qui a tenu la prédication de ce soir, la commune de N'Djili, c'est une commune qui a répandu dans le monde entier. Nous avons de très bons éléments dans la commune de N'Djili. Entre autres, si nous vont dans la musique, dans le football, dans tout le domaine, la commune de N'Djili va de l'avant. Et pourquoi nous ne devons pas prospérer dans le cadre spirituel? C'est vraiment très intéressant du fait que nous prospérons dans le cadre spirituel. Que ça ne soit pas la première comme la dernière fois, mais faites en sorte que de pareilles circonstances peuvent aussi continuer. Et pour les hommes de Dieu qui se sont réunis, ils travaillent ensemble, ça on n'a jamais vu ça. Ils ont abandonné leurs églises, ils se sont mis ensemble au service du corps du Christ. Quel est le conseil que vous leur prodiguez? Je leur dirais que le service de Dieu se situe pas dans les églises. Jésus lui-même a fait les prédications dans les rues. Il a rassemblé des gens partout, dans les déserts, partout. Alors qu'ils ne se cantonnent pas seulement dans leurs assemblées, qu'ils cherchent à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront dans les rues, ça serait très intéressant, d'autant plus qu'ils vont encore amasser beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, c'est ça. Ok, nous vous remercions. Excellente soirée. Surtout, c'est moi qui vous remercie, d'autant plus que ceci a gagné beaucoup de âmes dans cette zone. Ok, merci. Apa, tunatoka Obamba, pasteur Hubert. Pasteur Abar. Muzuri, muzuri, ndugu, muzuri. Tuko apa na siku ya mbili, tuko siku ya mwisho ya kampanyi yeto. Kampanyi ya kwanza ya hii model, ya hii namuna, ipita apa ndani ya quartier yeto. Tulitaka kujua sasa maimpression yako. Impression iko... Iko très bonne. Uta comprendre kinakuwa na swahili ya ma difficulté. Donc niko na bariki kabisa Mungu juu ya yote anatoa kufanya juu ya quartier yetu. Tuko na itikia kabisa ke Mungu ana visiter quartier et les environs et nous espérons également voir d'autres choses les jours à venir. Samuel tulitembea hapa tulikuta na bantu bote banashikia njaba nasema masiku mbili haina sawa, ayene hata, wewe unawaza namna gani? Ile ni kweli, hata sisi ngambo ya biro, tulione ke 2 jours, même 3 jours, c'est vraiment insuffisant. Kuangalia munene ya kazi, ile nafaa ifanyike. D'ailleurs, on a remarqué kama tuko naenda tiver ba 21h, 22h, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Etant donné que tulikuwa tuna 2 jours, les intervenants étaient obligés d'aller vraiment au-delà même du temps prévu. Donc tout on a espéré que dans les jours à venir, tout en allant à quoi il est côté, tout est à 4 à 5 jours. Ça, tu n'as pas choisi moi, face moya, mais on a tout mis à pas moya. Shetani a spendé qu'il m'a, il est membre. Alors, bantu balisema, en tout cas, bantu ya Mungu, bana pas choisi gala tout pas moya, bantu mike face moya. Juu ya il est unité, juu ya plateforme yetu. Oye. Unasema nini juu ya avenir masiku itakuya? Nawaza
avenir iko kabisa prometteur de beaucoup d'espoir parce que nikiangalia kwa reception le tulifana ya batumiki ya Mungu eh bale tulitisha bale nabo Mungu anaeleve mu commune balikuwa na tu encourager sana kwa kusema ke hii unité tunafana côté ya quartier 13 iko na fondement moya très efficace kwa kuangalia tu namna tuko esprit moya d'équipe, humilité, considération de l'un et l'autre. Et donc, tout qu'on a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et Nawaza, à partir de la campagne, il y a en tout cas pour frapper la porte, il y a plateforme. D'ailleurs, ça, n'a cité ma église, il participe. Parce que, il y a secrétariat, nous devons être réalistes. Il y a l'état affiche, il y a un membre effectif. Bale abayale tafishi, donc jusque là tukuna ba konsidere sabatu, beko mbele le sympathizatu ya jua position yabo. Donc tunatea majina ya bale, iko officiellement reconnu que sont les membres effectifs de la plateforme. Bale kwa nao namuna kanda utaya tout ça, nao, atune kufana ma fantaisie, du tuko mbele ya batu, donc tunespere que beko interpele, donc à la prochaine, ils vont se faire vraiment des membres effectifs. Accenti, pasteur. Ok, mungwa.